J'aimerais ça vous raconter l'histoire d'un dénommé Oscar de Limoilou qui maria en 32 une dénommée Hermine Jutera. Ils furent heureux et n'eurent pas d'enfants. On l'a appelé Oscar de Limoilou, mais dans le fond, là, ça peut être le Oscar de tout partout. Monsieur Oscar de Limoilou, s'intéressait au loup-garou. Sa femme Hermine Jutera grondine faisait pousser des églantines. C'est le coup parfait de la classe moyenne qui s'ennuyait les fins de semaine. Chaque fois qu'Oscar coupait le gazon, Hermine touchait l'accordéon. Welcome. Piquait devant le Parlement. Chaque fois qu'Oscar avait son char, Hermine frottait ses bagues en or. C'était un ménage fait pour cent ans qui populait pour son étendre. Oscar lisait Tintin au lit, Hermine jouait au Monopoly. Welcome. Qui ferait pousser des sexes aux anges, qui fait qu'un diplômé de Laval épouse une radicale.